Nous quittons Amman par la route de l'aéroport, en direction des châteaux du désert. Le GPS prend le relais dans les zones artisanales ou commerciales. Il n'existe qu'une route qui traverse le désert, avec la bizarre sensation de savoir que l'Irak n'est qu'à 210 km. Les châteaux du désert datent tous de la période omeyyade. L'histoire musulmane était en partie orale. Il y a beaucoup de zones d'ombre sur l'utilité de ces édifices. Certains y voient un caravansérail, d'autres des lieux de réunion. Le château Azraq, une imposante structure en basalte et une histoire fascinante. Stratégiquement situé au cœur de l'oasis Azraq, il a été utilisé presque continuellement depuis sa construction en tant que fort par les Romains. Il a servi de lieu de chasse aux Omeyyades, avant de retourner en tant que fort sous les Ottomans. Plus récemment cependant, le château a accueilli Laurence d'Arabie et ses homologues arabes alors qu'ils se préparaient à leur offensive militaire contre les Turcs en 1918. Le Ksar Amra, il semble même se fondre dans le désert. C'est l'un des châteaux les plus intéressants du pays. Il a d'ailleurs été inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO. Ce n'est pas sa structure modeste qui le distingue des autres châteaux, mais les trésors qu'il renferme. En pénétrant à l'intérieur, on a le souffle coupé par de superbes peintures. Elles représentent les rois omeyyades, de grandes scènes de chasse, une incroyable représentation du cycle de la vie, de la naissance de la mort. À l'intérieur, il y a aussi une grande salle d'audience, des chambres et un hammam, alimenté en eau grâce à un puits actionné par des buffles. Ah, ça te fera de la compagnie, ma chérie? Non, mais c'est le genre de compagnie que je ne recherche plus. Dans un paysage lunaire et inhospitalier, nous arrivons sur le Ksar Al-Karana, une importante structure aux parois épaisses. C'est sans doute le plus photogénique de tous les châteaux du désert. À l'intérieur, la cour offre un espace calme et protégé par le vent. Un calme intense rompu par les quelques oiseaux qui ont investi le château. Les chercheurs pensent qu'il servait de caravansérail avec 90 couchages, une écurie et des salons. Une des parties les plus visitées du pays. Il s'agit de la route des rois, la route numéro 35. Elle traverse de hauts plateaux et des canyons spectaculaires, ainsi que des sites religieux majeurs. Oh chérie, t'es pas venu voir les camels? Non mais tu vas voir, ils sont passés devant la voiture, c'est sympa aussi. Ah oui, d'accord. Outre sa vue imprenable sur la mer morte et les environs, le mont Ebo est surtout l'endroit où Moïse
aurait découvert la terre promise par l'entremise de Dieu. Pour commémorer la mémoire de Moïse, un monastère puis une église furent construits ici. Les Byzantins en feront ensuite une basilique. Ses fondements existent toujours, mais la structure globale a disparu avec le temps. Pour les protéger, une église moderne a été construite au-dessus. À l'intérieur, on peut contempler, dans le silence, un sol incroyable en mosaïque byzantine. Il y a tout un bestiaire composé d'autruches, de chameaux, de gazelles à contempler. Nous avons passé un long moment dans le Wadi Mujin. Un point de vue époustouflant. Même avec une légère brume et le vent tenace, nous n'arrivons pas à décoller notre regard du paysage. Béthany est située sur la rive orientale du Jourdain, au nord de la mer Morte. L'endroit où le Christ a reçu le baptême est devenu un haut lieu de pèlerinage. C'est là, au bord du Jourdain, qui marque la frontière entre Israël et la Jordanie, que Jean-Baptiste aurait donné au Christ le sacrement du baptême. Au cours des dernières années, le site a reçu la visite de nombreux souverains pontifes. Jean-Paul II en 2000, Benoît XVI en 2009, le pape François au printemps 2014. Hélène, la mère de Constantin, demanda d'ériger un monastère à l'endroit exact où Saint Jean-Baptiste baptisa le Sauveur.